Bonjour, buenos días, bonjour, good morning, guten morgen, pour tous les auditeurs de la Radio France Internationale. Ici Hector Rigaud de RCN Colombie pour transmettre l'étape d'aujourd'hui sur le Tour de France. Et puis, toujours j'étais dans le vélo, non? Toujours. Et depuis, avec la spécialisation, comme depuis professeur d'éducation physique et depuis entraîneur ou directeur sportif, et depuis, m'ont invité à écrire un peu et parler à écrire dans le journal plus important de Colombie, et depuis, pour parler dans la radio, en radio très importante aussi en Colombie, et je suis devenu journaliste finalement. Le vélo a été un moyen de transport, un moyen de travail, un moyen pour la santé et même un moyen pour faire un peu, pour changer un peu le destin de la jeunesse. Okay? On a trouvé que le cyclisme comme sport ou comme profession, ça a été une manière pour notre jeunesse. Et toujours la Colombie, on fait le Tour de Colombie depuis 70 ans, et on fait le Classico RCN depuis 600 ans. Et pour ça, toujours la Colombie, on est attaché au vélo et à la course cycliste et aux cyclistes. Pour nous, le cyclisme, c'est le sport plus important, pas le plus populaire, mais le plus important par les résultats qu'on a obtenus, notre cyclisme, sur la route, sur la piste, sur les BMX, sur les mountain bikes. Tenemos hoy que ver con el ISOA, otro premio de montaña muy conocido de autos, porque aquí en estos dos gigantes, en estos dos colosos de los Alpes, se han tejido numerosas historias, grandes victorias, grandes derrotas, grandes dramas, polémicas, en fin, todo lo que puede contar una historia que ya tiene 106 años, la historia del Tour de Francia. Mon meilleur souvenir, ça a été la victoire de Lucho Herrera dans la première étape pour un Colombien en l'année 84 à l'Alpe de West. Et la première fois qu'on a été dans le podium 88 avec Fabio Parra, qu'il a couru avec l'équipe espagnole Kelme. C'est mon meilleur souvenir. Non, pour moi, je crois que tout a été bien. Je n'ai souffert pas un accident. Au contraire, j'ai fait des amis. J'ai connu très très bien la France. Et je n'ai pas regretté le Tour de France. Un jour, il va gagner. Un Colombien, il va gagner le Tour de France. Bien sûr. J'espère être vivant.